Dans quelle merde je me suis mise, moi? Sub goal à la con, tu pars sur un sur 50 subs, t'en as 553 à la fin. Oh merde! Intérêt de le faire ce vlog. Je vais recommencer quand je récupère. Oui, ça met tout le temps là. C'est vraiment le pire plan là. Comment ils font? Comment elle fait des situations? Bon les gars, je suis KO. Je sais même pas quelle heure il est. 1h45. J'ai mon train à 7h. C'est-à-dire que je me lève dans à peu près même pas 4h. Je vais être KO. Arriva, mon bébé loup. Ma maman, ta maman, elle s'en va, elle va être fatiguée demain. Oui, mon bébé. Avez-vous déjà vu un chien aussi mignon? Je ne crois pas. Je ne crois pas, River, qu'ils ont déjà vu un chien aussi mignon. Mais du coup, voilà. Demain, train pour Bruxelles. J'arrive vers midi, je crois. Ben non, mais pas du tout. J'arrive vers 13h. J'en ai pour 6h au total, je crois. Et voilà, quoi. Ça va juste dormir, je pense. Vu la courte nuit que je vais faire, je vais clairement faire que dodo. Oh, les gars. Comment vous parlez de mon état actuel? Actuellement parlant. Par contre, il y a un point positif, c'est que hier, je suis allée faire mon deuxième vaccin, ma deuxième dose, et je n'ai aucun effet. Vraiment, mon bras me fait pas mal. J'ai encore moins mal que la première fois. La première fois, pendant la nuit, j'avais mal au bras, je pouvais pas dormir dessus. Cette nuit, nada, rien. Du coup, ça, c'est comme ça. Bon, allez, faut que je me bouge parce que sinon, je vais jamais aller en Belgique. Donc voilà. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a perdu sa place. Bon bah du coup les gars, j'ai retrouvé Adèle. Et oh, c'est pas pratique du tout tout ça là. On est arrivé à Bruxelles, c'est-à-dire à Lille. Et on va aller à l'hôtel parce qu'on est morte. Du coup il y a quelques gens qui sont arrivés, on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers non plus. Tout le monde est en train de set up son endroit de stream. Alors en vrai on a des bons PC parce que l'année dernière on avait galéré pour stream Apex. Là on prend stream Apex normalement avec ces PC là. On a un écran et l'écran de chat. Vous savez c'est l'écran du CDI là. Je viens de setup mon stream, ça donne comme ça. On va voir le passage qui est juste là. Donc je pense qu'on peut avoir des trucs assez drôles vu que souvent les gens se cassent la gueule derrière. Je pense que ça va être marrant. Non! Les gars, je viens de voir Fanny. Attends s'il te plaît mon tabétis. Vous savez, il y a un trou pour l'écran là, elle avait pas compris. Du coup elle avait mis le trou là et elle trouvait ça normal en fait d'avoir un tapis. Un tapis comme ça, t'es contre. Elle se moque de moi. Mais oui, mais meuf, c'est trop drôle, j'arrive à ton tapis comme ça. Mais je l'avais pas encore installé, c'est tout. Oui, oui. Mais par contre, son setup, le mien. Peut-être la Miyuchi, mais là, bon, il y a Sharon qui connaît toute la salle, qui connaît tout le temps tout le monde, je sais pas comment elle fait. Fanny. Et, oh, le focus sur ma gueule. Attends. Et derrière Adèle qui parle avec Paulinette. J'ai découvert un jeu les gars, je suis addict aujourd'hui. Je dois gérer un parc d'attractions. Les gars, je viens de changer de tapis de souris. On m'a offert ce tapis de souris, regardez. RGB là, comme ça, qui se branche ici. Ils sont en train de faire la sponsor du tapis là-bas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? On dirait que tu prends une douche. Oh, la petite sponsor flop. Oh, ils ne ressemblent à rien. Je vois qu'ils sont un peu abîmés quoi. Ils sont un peu abîmés. Un poquito. C'est bon, c'est peut-être ça. Morita. Mais Morito, je sais plus. Morita.
Tu vois, on est connecté, on vlog en même temps. Et ouais, avec le même appareil. Avec le même appareil, incroyable. Tain, c'est beau, faites-moi voir la référence, ça va beaucoup m'aider. Vraiment, pour ah ouais. On a commandé pour 800€ de sushi, il y a à peu près maintenant 2 heures. Livraison à 23h, elle a même appelé pour savoir si c'était pas un fail ou quoi que ce soit, ou une fausse commande, parce que vraiment, 800€ de sushi, ça doit pas leur arriver souvent. Il est 22h28, je meurs de faim dans une heure. Il y en a qui ont déjà reçu leur commande, en fait, ils envoient petit à petit. J'ai faim, pensez à moi, s'il vous plaît. J'ai mangé 2 cookies M&M's, du coup, j'ai faim. Oh, Billy Chou, elle a fait. Combien de cookies elle a fait? Je sais pas, mais elle a 10 000. Il y a je ne sais pas combien de cookies et elle en a prend qu'un. Il y en a un, il y a full le tabasco, un truc encore plus fort que le tabasco. Heureusement qu'elle me l'a dit parce que moi qui crains le piquant, j'aurais été au bout de ma vie. Mais hâte de voir la personne qui se fait prank. Je suis horrible. Vous allez où? On cherche. Coucou, j'allais dire un truc secret. Oui, non. Dis pas. C'est quoi? Des potards. Vous allez où? Ça demande. Il va aller chercher quelqu'un. T'étais là, j'ai dit. On vient d'assister à une rencontre, justement. C'est un truc que vous voyez pas, ça, mais nous, entre nous, on se parle pas vraiment sur internet, on se voit à travers les streams, mais la rencontre IRL, les gars, c'est un moment que tous les streamers craignent, je crois. Tu vois, c'est quelqu'un en mode, est-ce que je vais la voir? Je vais pas la voir. Ça blog. Vous y allez ou pas du coup? Non, on attend notre jap là. On attend tous notre jap. On a faim. Je vais pleurer, mon mec me manque. Déjà il te manque? Oui. Mais t'es parti il y a combien de temps, Chacha? Bah 16h30. Non mais faut savoir que les gars, Sharon, des fois elle vient dormir chez moi, enfin elle vient la soirée chez moi et elle est obligée de rentrer parce que son mec lui manque. Vous avez plus de 5 minutes. Hein. Tu vas faire comment en 5 jours là, sans lui? Écoute, on a un programme. Oh, je suis dans ta chambre, je vais avoir tous les FaceTime. Non, il m'appelle. Non, il m'appelle à midi et il m'appelle à 19h tous les jours. Et du coup tu vas stream quand? Mais je prendrai 10 minutes de pause à chaque fois que tu m'appelles. Combien ma fuche solo dans ma chambre? Mais il y a une chambre avec nous le soir quand même, papoter. Oui, papoter. Puis elle dormira. Ah, non. Non, mais, ouais. Non, mais elle dormira dans sa chambre parce qu'elle dormira. J'ai oublié de leur montrer les belles Gunnar. Les gars, attends, mais elles sont mes lunettes. Gunnar, ils nous offrent des lunettes. Salut à tous, c'est Clarisse du secrétariat. Non, mais c'est surtout mon mec. Oh là là. Eh, mettez lunettes, Fanny. Ah, je fais prof de. Oh la gueule. Déjà, faut que j'arrive à les ouvrir. Attention, Adèle qui va mettre les lunettes. Gunnar. Attention, Valérie là, du secrétariat. Oh. Regarde-toi dans le retour. C'est une catastrophe. Des petits ragots ici, apparemment. Ça potent. Tout à l'heure, on a entendu parler d'un petit crush. D'un petit grand. Il y a du mec. Non, moi, je veux savoir, hein. Tous les potins, je veux savoir. Hein. Allez, c'est pas pour vous, ça. C'est pas pour vous. Je viens de faire une tresse à jus en mode random, mais c'est stylé, non? Je savais que j'étais coiffeuse. Apparemment, je fais mamie de deux. Ah ouais, non, ça me met pas trop en valeur, là. Il y a 3 livreurs pour la commande, elle arrive. Enfin, on va manier. Donc on va devoir manger les sushis dehors, à la belle étoile. Ouais, voilà. Dernière chose, demain tout le monde doit venir ici entre 11h30 et midi. Voilà. Quoi? Désolé, 11h30 et midi demain. Est-ce qu'on a le petit déjeuner là-bas et tout à l'hôtel? À l'hôtel, vous avez le petit déjeuner, compris, tous les jours. Bon, on distribue la nourriture là. On est tous dehors comme des mille. Oh, on est beaucoup. Je ramène poulet normal. Vous avez les minuit 30. Minuit 30, on se retrouve là à distribuer de la bouffe alors que tout est mélangé. C'est incroyable. Est-ce que vous voulez de la bouffe? C'est de la bonne. Et c'est quoi ça? J'ai aucune idée. C'est même pas ce qu'il a dans les mains, c'est pas ce qu'il fout là. Oh vas-y tiens, direct. Il m'a volé mon manger. Tu me galères, mais quand même. On les a. Bah non, mais il y en a plus de gyoza. Regardez tout le monde là. On sort du parc, tout le monde va s'asseoir là-bas. Nous on va manger.
va manger à l'hôtel parce que là, c'est pas possible. Oh, le gang de meufs. T'as vu ça ou pas là? Le gang de meufs. Oui, voilà. Tout le monde a fait cette technique. Oui, bah oui, c'est la base. Moi, c'était ma valise et celle de mon ex. Mais t'es handicapé. Et alors? Oh, c'est. Quoi? C'est vrai, t'as... Mais toi, la blonde là, handicapée là. Mais regarde, il boit. Et alors, c'est pas pour ça que je peux pas marcher? T'as fait quoi? Incroyable ce gars. Qu'est-ce. Ah ouais, la technique elle est lourde là. Dis-moi en plus. C'est là pour critiquer. Oui. Avec la cam en plus. Pourquoi tu filmes les fesses de tout le monde depuis tout à l'heure? Un peu plus de trucs. Il se casse. Il rajoute tout à l'heure. Je me tire. À manger, après tu vas faire du jeu avec les amis. T'es en train de filmer ma galanterie. T'es filmé, c'est bon? Ouais. Ok, c'est bon, on peut arrêter. C'est pour qui? Pour Charlotte. Ah. Mais non, c'est pas ta vie. Ah ouais, si tu veux la galanterie. En plus, elle est volée. En fait, tu voulais voler. Tu veux que je ramène ta valise? Non, je la ramène, je te jure. Ah, mais c'est un remix, tu vois. Il allait se faire péter sa valise. Bah, en fait, finalement, tout le monde nous suit, quoi. Allez, c'est fou comme l'effet du mouvement. Des mais tu crois pas que c'est l'effet de mouvement en vrai? Tout le monde se dit, bah, il part. L'effet mouton. Quoi? À chaque fois que Sharon a fait un truc, tout le monde l'a suivi. De ouf. Tout à l'heure, on était dans le hall, elle a commencé à marcher dans l'entrée du hall, tout le monde l'a suivi. C'est vrai, c'est vous vrai. Vous êtes tous des moutons. OMJ. Voiture, bougez. Cette fois-ci. Quoi? Lance un hippie pourra. Non, jamais. Tu connais, tu me connais très bien, jamais je fais ça. Attention, hippie. Ouais. Attends, pourquoi? C'est comme ça, c'est gratuit. On fait la voiture. Pour moi, on le fait à la voiture. On le fait à la voiture. Ok. On fait à la voiture. C'est pas une voiture, du coup. Ça. On fait la voiture. Ah ouais, ça lâche des anecdotes comme ça. Attendez, mais j'ai jamais vu une cam aussi floue de ma vie. Enfin, arrivé. Eh. C'est trop bien. Oh. On peut manger? Oh yes. Ça c'est le petit. Oh, le petit déj ici, c'est une tuerie. On va se poser. Ouais, clairement à cette table. Adèle. Voilà. Et attends, pousse-moi. Bon appétit. J'ai vu ce que j'ai vu. Elle se met à Wall pour mon vlog pour faire des vues en non, fait. Non, non, c'est genre, c'est bien grand. On a une belle tablée là. Sharon, Roerel, Bichard, Chipset. Tu sais, j'ai bégayé parce que je veux t'appeler Fanny maintenant. Lilith, Sinex, Aurélia. Alors moi les potes, c'est Paulinette. Parce que peut-être que vous ne connaissez pas, c'est Sinex et c'est un de mes modos et un de mes amis voilà, qui vient m'aider pour ce stream. Ah non, je connaissais pas. Voilà, c'est cool. Pour demain, le petit déjeuner, c'est un peu. Oh, les boucles d'oreilles, ouais. Ça va ou pas? C'est bon appétit. Bon appétit. Comment tu tiens tes baguettes, toi? Je sais pas, je pense que c'est... On va m'insulter. Oui, je les ai normalement, ouais. C'est comme ça? Ouais. Tiens. Ah ouais, putain, les baguettes. C'est à peu près? C'est à peu près, ouais, quand même, où tu les tiens. Oh, mais non, c'est bon, je préfère être précis. Mais tu vas jamais pouvoir les prendre. Vas-y, prends-en. Attends. En vrai, je l'ai. C'est ok. C'est ok. Ok, il tient à moitié. Attends, je vais juste le manger. Franchement, faut aller vite. Il va tomber. Attends. C'est bon. Ok, c'est bon. Et. Oh, allez. Wow, trop fort en fait. Bon, c'est bon. Alors, regarde, ils ne se sont pas échangés d'appareils parce qu'on a toutes le même appareil. Un kill, je satisfais. Bon, tu filmes la galère. Ah ouais, non, mais là, mais... Je te jure que je vais réussir. Attends. Attends, attends. Catastrophe. Tu non, mais là, c'est Là, ça va être bien pire. Hein. Attends, non, mais c'est fini là.
Ok, bah c'est bon. Ouais. Et la bonne heure, ça va saouler déjà. Il en est là. Les gars, dans. Demain matin, tu auras fini, tu penses ou pas? Non, je pense pas. Tu penses que je trompe trop? Oui. Ok. Je prends. Et tu sers trop. Tu sers peut-être un petit peu trop. Faut que tu te dépêches. Oh, c'est bon, moi, je pense que. En fait, je n'ai parlé de Tigre qui sera. Arrête de le défendre. Non, mais je cet individu n'a pas de. Attends, donne-moi une deuxième chance. Vas-y. Tout le monde me regarde d'un coup là. Oh putain. Les gars, il est quelle heure? 1h15. Il est 1h et il y a des gens qui sont en train de travailler sur des échecs là. Comment font-ils? Ça, c'est les fans de Sardoche. Comment font-ils? Plus que 3 sushis. Écoute-moi. 4, 5, mais je le voyais pas. Écoute-moi celui-là, regarde, je vais réussir. Il est peut-être devenu un pro en vrai. T'as vu, il y a un vrai problème. Mais franchement. Ouais. T'auras réussi à manger les baguettes grâce à la professeure Chipset. Chipset roux. Chipset roux. Bah il a réussi à manger. Ça y est. On a bien mangé. C'est le bordel là. Les gars, on est arrivé dans la petite chambre avec Chacha. Qu'est-ce que t'as? J'ai envie d'aller aux toilettes. On a deux petits lits. En vrai, ils sont trop mimes. Bon, on avait ça l'année dernière aussi. Deux petits lits trop mimes. Un petit miroir. Le lavabo. Et la salle de bain. Ouais, parce que j'ai pas allumé mes flemmes. En vrai, c'est cool. C'est cosy cosy, quoi. De toute façon, on vient là que pour dodo. Hein. On va passer notre vie à stream. Allez, on enlève les chaussures. Douche et dodo. Comment ça, douche? Je me douche, hein. Je me lave les cheveux là. J'imagine les grosses pas. Ah, j'ai oublié ma brosse à dents de toute façon. Ah merde, attends, je peux te la prêter si tu veux. Oh. Les gars, j'ai une anecdote l'année dernière en rentrant. Et j'avais mis mes vêtements sales là-dedans. En fait, c'est des poubelles. Et j'avais pas compris que c'était des poubelles. Regardez, en fait, c'est juste ici, on voit que c'est des poubelles. Et l'année dernière, j'avais mis mes sous-vêtements là-dedans. Tu vlogs Oui. Comment tu mettais des sous-vêtements, c'est ça? Bah en fait, j'ai une anecdote avec Adèle. L'année dernière, on était dans une chambre comme ça aussi, et j'avais mis mes sous-vêtements là-dedans. Et un jour, on est sorti, on est revenu, on voyait la meuf de la femme de ménage. Elle lui dit. Ouais, et je rentre et je vois qu'il n'y a pas mes sous-vêtements. Et je me dis, mais attends, mais elle a fait quoi? Et en fait, elle les a mis à la poubelle, elle a dû vider toute la poubelle pour trouver mes sous-vêtements dedans. Oui. Bravo. Voilà. Bravo, moi, je me rappelle l'année passée, on était 1 million dans une chambre. T'as raté un truc. Qu'est-ce que c'est? Elle a oublié sa carte. Elle l'a écrit à l'instant. Bah, tu peux descendre en bas. Vous avez oublié, mais vous les avez. J'ai dit, oh, il y a des autres personnes. Et ouais, vous voulez savoir qu'il y avait à côté, on est venu commerce. Ils sont dans la chambre? Oh non, elles sont sorties de la chambre. Oh, les débiles. Et il y a Rémi, c'est chouette. Et bah, c'est parti. Hein. On peut changer une troisième. Parce que vous êtes des commères, voilà, ça vous apprendra. Et tu me disais quoi, toi? Non, je disais, moi, les souvenirs que j'ai l'année passée, c'est. Soirée où il y avait tout le monde. Et il y avait un gars qui parlait pendant 20 ans, t'es là. Ouais, c'est bon. Ouais. Je me rappelle. Hein. Ça blablate en bas, là? Et puis on parle de commerce, c'est nous qui sommes dans les commerces. On peut pas voir. Pourquoi tout le monde met ses poubelles dehors en Belgique? Ils sont bizarres, regardez. Mais tu peux pas aller en France. Mais non, mais nous on met dans des poubelles, eux ils mettent vraiment les sacs devant chez eux. C'est bizarre un peu. Du coup, pour pas faire la même erreur que la dernière fois, j'ai pris un sac à linge sale. Il est un peu grand quand même. Un peu. À peine. Tu me disais quoi? Je vais d'abord à la douche. Ok, vas-y. Les gars, on dirait pas une bouteille de vodka. J'ai cru que c'était une bouteille de vodka, ça m'a stressée. J'ai dû la sentir avant de nous servir. Les gars, pour s'endormir avec Sharon, on a un rituel. C'est l'ASMR de Sardoche. Sur le crâne d'Aldériette. Sur le crâne chauve d'Aldériette. Bonne séance à tous. Bonne séance et bonne nuit. On va bien dodo là. Go dodo.